vous apprendrai à interpréter la chanson Norwegian Wood. Excusez mon accent anglophone, j'ai un peu de difficulté avec ça. Ok, donc c'est une chanson quand même assez simple, en tout cas du moins très courte à apprendre. On va avoir besoin d'un accord de D. Avec notre D, il y a plein de passes qu'on fait. Ensuite, on a besoin comme accord de l'accord de DM, de l'accord de G. Mais le G ici, on va le faire avec notre annulaire et notre auriculaire sur les deux petites cordes. Okay? Ensuite, vous aurez besoin d'un EM, mi mineur, puis d'un A. Okay? On commence avec l'accord de D. Et donc, on joue seulement sur quatre cordes, je vous le rappelle. On va faire bass, bass, monde, bass. Okay, donc, ensuite, avec notre petit doigt, on vient chercher la troisième corde, quatrième case. Ensuite, là, on fait juste un bass, ok, donc bass. On enlève notre petit doigt, notre auriculaire. On fait un autre bass. On soulève notre index. On joue encore quatre cordes. Donc ici, on a... Donc, je répète jusque-là. En D, baisse, baisse, monte, baisse. Je viens chercher ma troisième corde, quatrième case avec mon auriculaire. Seulement que baisse. Je vais soulever mon auriculaire. Je vais faire baisse. Je vais soulever mon index. Je vais encore faire un baisse. Par la suite, je vais faire un accord de D avec une base de fa dièse. Okay? Donc souvent on rencontre cet accord-là, le ré fa dièse, on vient chercher la note avec le pouce, mais ici on vient chercher le fa dièse que vous retrouverez sur la quatrième corde, quatrième case. Okay? Donc ici on va faire baisse, baisse, monte, baisse. Okay? Donc je suis toujours en ré, en D. Je place mon auriculaire sur la quatrième corde, quatrième case, pour venir chercher la note fa dièse. Ici, je vais faire le même picking que le ré du début, donc baisse, baisse, monte, baisse. Donc, nous aurons... Par la suite, on a notre auriculaire. Donc, je viens chercher la note mi avec mon index. Donc, je vais soulever mon index. Je vais aller le déposer sur la corde qui est juste au-dessus, donc sur la quatrième corde. Ok, donc, je vais partir de mon D. Je vais soulever mon index et aller le déposer sur la corde qui est juste au-dessus. Donc, sur la quatrième corde, deuxième case. Je vais juste jouer cette corde-là. Ici, je vais jouer par la suite ma troisième corde, sans mettre de doigt, ma corde ouverte. Donc, si j'ai... Ensuite, mon auriculaire. Donc, mon auriculaire, je vais chercher par la suite ma corde, ma note de fa dièse, comme tout à l'heure, donc sur la quatrième corde, quatrième case. OK? Donc, je vais récapituler le dernier petit bout. Donc, on avait fait... Okay, là, on est rendu ici. Je replace mon index pour faire comme un accord de ré, tout simplement. Je place mon petit doigt, mon auriculaire, sur la quatrième corde, quatrième case, pour faire le fa dièse. Donc, je vais faire baisse, baisse, monte, baisse. Ensuite, je soulève mon index, je le dépose sur la quatrième corde, juste au-dessus dans la même case. Je vais juste jouer cette corde-là. Ensuite, je vais jouer ma troisième corde, sur laquelle il n'y a aucun doigt présentement. OK, donc... Ensuite, je viens chercher le fa dièse encore, avec mon petit doigt, quatrième corde, quatrième case. OK,
donc maintenant on a. On revient en accord de D. Jusqu'à présent, ce que vous avez, c'est ça. Ok, donc quand on est revenu sur notre accord de D, on a fait le même picking. Baisse, baisse, monte, baisse. Ensuite, on vient chercher la note Do, ok, avec le petit doigt, sur la troisième case, cinquième corde. Ensuite, la note Sol, la corde de Sol, troisième corde. La note Si sur la cinquième corde, deuxième case. Et ensuite, on revient en D. Ok, donc je répète le dernier bout. Nous étions en D. On vient chercher la note Do sur la troisième case, cinquième corde. La note Sol, troisième corde ouverte. La note Si, cinquième corde, deuxième case. Et on revient en D. Ce qui donnera... Ok. C'est quand même assez simple, comme vous pouvez voir. Mais c'est pas terminé. Ok. Le plus facile s'en vient. Par la suite, on a des accords assez simples. Le DM, le G, comme j'expliquais tout à l'heure avec les deux petits doigts. On revient en DM, EM, A, et on recommence. Donc le picking que je vais utiliser pour le deuxième petit bout de chanson. Donc, baisse, baisse, monte. Okay. Baisse, baisse, monte, baisse, monte, 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 baisse. Okay. Donc, en théorie, ça ferait baisse, baisse, monte, baisse, monte. Okay. Donc, baisse, baisse, monte, baisse, monte. Okay. Donc, on continue. En DM. On pourrait faire une petite transition, ok, avant de recommencer au complet. Donc ce que j'ai fait tout simplement, cinquième corde ouverte, je vais chercher la note Si, cinquième corde, deuxième case, ensuite sur la même corde, cinquième corde toujours, quatrième case. Donc on va avoir, et après on recommence au complet. Et donc, je vais vous faire tout ça. Avec la musique, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, oh, tu chantes pas souvent. »
ça serait le fun d'entendre la voix en arrière. Donc, elle, je ne la chanterai pas parce que, comme je vous ai dit, mon accent anglophone n'est pas très, très au point encore. Donc, je vais vous jouer un bout de la chanson avec l'original en trame de fond. J'imagine que pour certains, ça a dû être assez compliqué, comme le son. Le plus difficile, c'est de maîtriser les petites passes là, en accord de D avec le petit doigt. C'est pas tant l'accord qui est difficile ou les passes sont difficiles, c'est plutôt l'expérience de votre petit doigt qui se promène sur les cordes qui doit être assez difficile pour certains. Donc, ça met fin à notre super leçon pour la chanson Norwegian Wood. J'espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à faire un petit quelque chose avec ce que je vous ai montré. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser des questions plutôt sur Facebook ou directement sur YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine!